Bonjour à tous. Donc, je suis endocrinologue adulte et je travaille au GHE. J'espère ne pas être trop rébarbatif parce que vous avez eu une grosse journée et que je ne sais pas trop ce que vous avez dit. Donc, en tout cas, Yves Zerbi m'a demandé de faire une présentation sur les perturbateurs endocriniens. Et donc, je m'étais dit que dire aux patients, ça peut être intéressant pour vous. L'actualité est au rendez-vous pour diverses raisons. Et notamment, hier, c'était la réunion de l'Assemblée sur l'environnement de l'ONU sur les pollutions plastiques. Je pense que vous en avez peut-être parlé aujourd'hui. Et ça, c'est la sculpture qui a été exposée à cette occasion sur la pollution plastique. Et vous voyez que c'est un énorme robinet qui, on peut dire, vomit des bouteilles de plastique. Donc, les perturbateurs endocriniens dans le cadre de la santé environnementale, je pense que je vais passer très vite parce que vous en avez déjà parlé. La définition OMS, c'est 99. Et à cette époque, on parlait de quoi ? On parlait de lutter contre l'insalubrité, les expositions au plomb et à l'amiante, mais pas encore vraiment des perturbateurs endocriniens. Et vous allez voir sur l'historique pourquoi. La santé globale, elle a des déterminants sociaux qui sont les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et puis ils vont vieillir. Ça, c'est important pour les perturbateurs endocriniens puisqu'ils vont être en fait entourés des perturbateurs endocriniens pendant toutes ces phases. Et la santé environnementale va viser donc à prévenir ces facteurs environnementaux qui peuvent affecter le sujet à la fois actuellement puis dans les générations futures. Et on verra que l'exemple du Distilbène est un excellent exemple pour comprendre ça. Les 1000 jours, ils vous ont été présentés, bien sûr, parce que c'est la période de susceptibilité ou de vulnérabilité maximum qu'on a établie. Alors, il faut savoir que cette période est de plus en plus vaste, parce qu'on s'est aperçu très tôt que on peut avoir une empreinte au niveau épigénétique chez la mère, qu'on connaît bien, notamment sur le diabète, parce que maintenant, on sait qu'une maman qui a un diabète très déséquilibré dans l'année qui suit, dans les mois qui précèdent la grossesse, on peut avoir des répercussions sur l'enfant pendant la grossesse. Donc là, on sait très bien que ça va plus être à partir du quatrième mois, mais maintenant, bien avant et avant la conception, puisqu'on va modifier nos gènes. Et vous verrez ce qu'on ne sait pas trop maintenant. On connaît les gènes de la mère, mais pas ceux du père. On ne s'est pas tellement intéressé à ceux du père. Donc, c'est important, cette période, parce que l'enfant va avoir des cellules qui vont se multiplier et il va être extrêmement réceptif sur ces perturbateurs endocriniens et sur plein d'autres choses. Les cancers de la thyroïde à Tchernobyl, c'était sur les enfants et les petits, parce qu'ils avaient des cellules thyroïdiennes qui étaient en pleine multiplication cellulaire et c'est là qu'on va avoir des cancers. Et donc, c'est cette période de vulnérabilité, une fois qu'on la connaît, c'est là-dessus qu'il va falloir agir. Alors, la définition des perturbateurs endocriniens, ou en anglais EDC, Endocrine Disrupting Chemicals, a été faite en 1991 à l'occasion de la conférence de Wingspread par Theo Kolbourn, qui est une biologiste américaine et pharmacologue. Alors, un tout petit peu d'histoire, je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai écrit en tout petit, j'ai essayé de mettre beaucoup de choses. Tout commence en 1962, je pense que vous en avez tous entendu parler. C'est Rachel Carlson qui est une biologiste plutôt, qui va alerter sur la diminution de la fécondité des aigles. Et les aigles, c'est important parce que c'est quand même le symbole des États-Unis, l'aigle. Et donc, qui rapporte une diminution de la fécondité liée à une exposition au DDT, qui est un herbicide, un pesticide. Donc, à partir de là, elle va, à travers la publication de ce livre qui est Le printemps silencieux ou Silent Spring, et elle va alerter l'opinion publique. Et ça, c'est très important parce que alerter l'opinion publique de cette façon, ça va jouer contre les lobbies industriels. Et on peut considérer que c'est la naissance de l'écologie qui arrive avec cette femme qui, en l'occurrence, est morte à 50 ans d'un cancer du sein, ce qui est quand même pas banal dans cette histoire. Et donc, le DDT, il a été banni 10 ans plus tard, en 72. En 1970, c'est aussi la publication des premiers cas de cancer du vagin à cellules claires des petites filles dont les mamans ont été exposées in utero au distilbène pour prévenir les fausses couches. L'arrêt de l'utilisation du distilbène a été fait en 1975 aux États-Unis
Et en 1977, en France, vous voyez la petite affichette 1978 sur ce traitement. Et c'est grâce au Distilbène qu'on a compris l'effet transgénérationnel et tous les mécanismes épigénétiques et le fait de pouvoir sauter des générations. Ensuite, en 1991, donc on a la conférence de Springfield où on a où se regroupe. Alors j'ai pas de petite flèche. Si, se regroupe un petit peu toutes ces personnes. Et dans les années 90, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va avoir les premières observations animales qui montrent qu'il y a des troubles de la différenciation sexuelle des animaux qui sont soumis à des substances chimiques d'origine agricole ou industrielle. Donc que ce soit dans les régions des Grands Lacs, et ça peut affecter les loutres, les poissons, les oiseaux, mais également là en Floride, où ça va toucher les alligators, les félins, et on va avoir on va dépister en fait, on va voir dans les effluves qu'il y a des DDT, du DDT qui est des herbicides, des dioxines, du lindane et des PCB. Parallèlement, et ça va être un petit peu le pavé dans la mare, c'est que une équipe danoise de Skegbeck et Carlsen, ils vont montrer que s'ils étudient les concentrations de sperme entre 1938 et 1990, la concentration de sperme diminue de moitié. Et on ne les croyait pas, on disait ouais, c'est parce qu'ils portent des jeans serrés et donc du coup ça augmente la température. On en était encore là à cette époque de dire ça. Et en fait, cette étude a été reprise par des Américains qui ont regardé les populations américaines, européennes, et ils ont vu qu'en fait, ça concernait toutes les populations entre 1930 et puis 1990. Donc après ça, Theo Kolbarn donc a publié un livre qui alerte la communauté scientifique. C'est notre futur volet en 1996. Et ce livre a un impact majeur, parce qu'elle va raconter toute son histoire avec les perturbateurs endocriniens et comment elle a fait pour mener son travail et regrouper tous les scientifiques lors de la conférence de Winspread. Et ce qui est très important, c'est qu'il est préfacé par Al Gore. Et Al Gore, c'est le vice-président des États-Unis. Donc, elle a levé, on parlait des leviers, là, c'était un levier politique. Et donc, aux États-Unis, on voit qu'on a à la fois une alerte des lobbies on s'adresse directement à la population et au gouvernement. Donc c'est très important. Donc la définition des perturbateurs endocriniens, je pense que vous l'avez déjà eue. Ce sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle, étrangères à l'organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur celui-ci ou sur ses descendants. Moi, je me souviens qu'au début de la définition, on parlait des xénobiotiques. C'était le terme qui était utilisé au départ, plus que perturbateur endocrinien, qui a été utilisé un petit peu plus tard. Elle a été un petit peu peaufinée et détaillée. C'est une substance à une activité de perturbateur endocrinien lorsqu'elle est capable d'interférer avec la synthèse, le stockage, le transport, la destruction aussi, le métabolisme, la liaison ou l'action d'hormones endogènes naturellement produite par l'organisme, avec pour conséquence un effet adverse, nocif pour la santé, que ce soit à l'échelle de l'individu ou de sa descendance, et ce via un mode d'action parfaitement déterminé ou pas d'ailleurs. Donc là, je ne vais pas vous resituer toutes les glandes endocriniennes avec lesquelles elles peuvent interagir. Quels sont les dangers des perturbateurs endocriniens ? D'une part, leur mode d'action et leur toxicité qui sont inhabituels et donc mal connus, mal compris. Et des effets non proportionnels à la dose, qu'on va voir. Une identification qui est complexe, puisque c'est un mélange de toxiques et qui sont en hausse croissante et souvent combinés. Ils sont répandus dans tout l'environnement et on peut être donc exposé via l'air, l'eau, le sol, l'alimentation et la voie cutanée, ça vous l'avez vu. Toute la population est exposée pendant toute la vie avec des périodes de vulnérabilité donc qui sont... in utero, enfin pré-utéro, je dirais, in utero, puis après l'enfant qui grandit jusqu'à la puberté, c'est vraiment des périodes de vulnérabilité importantes. Le spectre d'action des perturbateurs endocriniens qui vont entraîner des malformations des organes génitaux, des baisses de la fertilité, des actions sur la thyroïde, des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies de l'immunité et une atteinte du système nerveux.
Quels sont les modes d'action ? Donc rapidement, en fait, ils répondent pas à la relation. Ce qui fait la dose, ce fait le poison. Donc c'est pas une réaction linéaire, mais bien souvent, on a des réactions ou des relations en U ou en cloche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le perturbateur endocrinien, il va pouvoir avoir un effet à faible dose ou à forte dose et au milieu rien, parce qu'il va interagir avec des récepteurs différents à faible dose et à forte dose. Si bien, et puis ici, il suffit qu'il soit co-administré avec un autre perturbateur, ils vont interagir au niveau du récepteur, on n'aura pas forcément dans le temps le même effet. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de décrire précisément leur effet et de le prouver. L'effet cocktail, je pense que vous en avez également parlé, bien sûr, hein, puisqu'on est exposé simultanément à tout un tas de perturbateurs qu'on ne sait pas trouver et qu'on ne sait pas sélectionner ou identifier. Il y a un effet cumulatif qui est lié donc, à l'exposition chronique, à l'exposition répétée, et puis aussi à des phases d'exposition aiguë ou chronique. Donc tout ça, c'est l'exposome, je pense que vous en avez également parlé. La période de vulnérabilité... Donc l'effet des perturbateurs endocriniens sur un organisme en plein développement avec une expression des récepteurs qui ne va pas être la même au début et pendant le développement in utero justement quand l'enfant grandit et après dans le maintien, ça va avoir des effets différents. Donc encore une fois, les périodes de vulnérabilité, on les a vues. Donc pour une même exposition, on va avoir un effet qui va être différent selon l'âge de l'individu exposé et puis l'endroit où il est exposé et puis la durée. On ne connaît pas tous les cofacteurs. L'effet épigénétique et transgénérationnel, donc par le biais du modèle du Distilben, où on sait que ce sont les filles des mères exposées qui vont avoir des cancers du vagin, mais aussi elles peuvent aussi avoir des cancers du sein, elles peuvent avoir une baisse de fertilité, et sur les générations encore suivantes. Et les garçons, on a également décrit donc des cryptorchidies, des hypospades et tout un tas d'anomalies, voire des cancers du testicule. Donc il y a beaucoup de choses qui ressortent, et pas forcément la génération suivante, mais encore celle d'après. Donc on est encore en phase d'observation de ce médicament. Donc l'effet épigénétique est transgénérationnel. Donc c'est la théorie du DOAD, et je pense que vous l'avez vu aussi, qui fait que bon, c'est l'environnement qui va modifier via non pas le génome mais l'épigénétique sans modifier l'ADN et qui va être stable ou pas dans le temps. Donc les effets décrits des perturbateurs endocriniens sur l'organisme, vous savez qu'il y a un pictogramme maintenant qui est utilisé depuis 2015 sur ces perturbateurs endocriniens. Donc là, les périodes de vulnérabilité qu'on retrouve, c'est les périodes de développement de chaque organe. Donc on imagine que plus c'est tôt, plus... Et vous voyez, le système nerveux, il va se développer extrêmement précocement. Donc quand on dit exposition à 4 mois de grossesse, bien avant, c'est beaucoup plus sensible. Alors c'est sûr que le placenta, il est très épais, mais pour autant, c'est évident qu'on a une traversée des perturbateurs. Alors là, c'est indigeste, on est d'accord. Donc l'effet des perturbateurs endocriniens, c'était pour résumer un petit peu tout ce qui est un peu décrit sur les différents perturbateurs et les effets qu'on résume ici. Ça, c'est une diapositive intéressante, un peu indigeste aussi, mais qui montre toutes les difficultés qu'on a d'étudier la littérature. La littérature, elle est extrêmement dense et les preuves et de concepts, etc., c'est compliqué. Donc cette... méta-analyse qu'a fait Santé publique permet de retenir les études qui ont un niveau de preuve suffisant pour faire le lien de causalité entre le perturbateur endocrinien et les conséquences. Et ça, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant parce que c'est pas du tout facile à faire. La littérature est extrêmement dense. Je voulais vous parler de ces deux études. Je ne sais pas si on vous en a parlé. L'étude ELF et l'étude Pélagie. Très importante, l'étude ELF, qui est une étude longitudinale de biosurveillance. Le but, c'était de voir chez les femmes enceintes l'évolution des toxiques qu'on va retrouver, on va le mesurer dans les cheveux, dans le sang, dans les urines, au sang du cordon. Et c'était de savoir dans le temps, est-ce qu'on a des taux qui vont évoluer, dans quel sens, avec justement la réglementation. Et on s'est aperçu que la majorité des polluants sont présents chez presque la totalité des femmes. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant. Et via les emballages et l'alimentation, qui sont les principales sources.
On a montré que ces taux vont diminuer dans le temps avec la réglementation sur le bisphénol A depuis 2011 qui est interdit dans tout ce qui est plastique en contact avec les aliments et l'astrazine qui est un herbicide depuis 2001. La cohorte Pélagie, c'est une cohorte bretonne. Donc sur 3500 femmes en Bretagne qui étudient depuis 2002, donc ça y est, on est à 20 ans. Et c'est intéressant parce qu'on va regarder l'exposition de ces femmes à l'alimentation, mais également à l'environnement professionnel. Et ça, on n'en a pas beaucoup des études comme ça. Et donc, elle a permis de mettre en évidence que des liens entre petits pois de naissance et augmentation de la consommation des coquillages qui vont être chargés en dioxines et en métaux lourds. Une multiplication par deux des malformations congénitales si les femmes sont exposées à des solvants, donc à l'occasion de leur travail, une diminution du périmètre crânien et la présence en présence de cultures de pois oléagineux, donc en lien avec l'utilisation des phytosanitaires et des RCIU avec l'astrazine, mais bon, maintenant on n'en utilise plus depuis 20 ans, mais quand même on a pu faire le lien parce qu'ils sont quand même persistants. Donc ce qui reste à explorer, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, mais je n'ai bien sûr pas tout écrit, mais notamment les polluants chimiques qu'on ne connaît pas, les polluants oubliés probablement, les nanoparticules, ça c'est un nouveau, et l'épigénétique des pères, qui n'est pas étudiée, enfin je ne connais pas pour l'instant. Donc ça c'était une petite diapo pour souffler et qui résume un petit peu tout ce que j'ai dit. Et je la trouve intéressante et simple, par exemple, à présenter aux patients. Donc ça, c'est quand même un pictogramme qui est bien fait, qui peut être mis dans la salle d'attente, qui est facile à lire avec des mots simples et qui peut s'adresser à tout le monde. Donc différents types de perturbateurs endocriniens. Je vais passer vite, c'est aussi indigeste, j'entends. Il y a les pertes qu'il faut retenir, c'est qu'on peut faire plein de classifications et quand vous ouvrez un bouquin sur les perturbateurs endocriniens, on est perdu. En fait, on peut les classer de différentes façons. On peut les classer sur ceux qui vont être persistants, donc c'est les POP, organiques persistants et les non persistants. Qu'est-ce que ça veut dire un produit organique, enfin un polluant organique persistant? Il va persister dans l'environnement, il va être bioaccumulé après l'ingestion dans le tissu adipeux et il va être transportable sur des longues distances via les courants marins, donc les poissons. On peut différencier les substances naturelles et les xénobiotiques. On peut classer selon l'ANSES, avéré, suspecté ou présumé. Et puis, on peut classer par famille chimique. Donc ça, c'est un tableau qui va, de façon intéressante, trier les produits en fonction de leur usage. Donc vous voyez, le BPA, il a été restreint. Les propriétés, où est-ce qu'on trouve, et les effets qui leur sont liés. Donc ça, c'est des tableaux qui sont quand même assez bien faits et assez lisibles pour s'y retrouver. C'est long, j'entends. Ça, c'est aussi des pictogrammes qu'on retrouve dans les ouvrages que vous pouvez consulter et où j'ai résumé un petit peu les effets secondaires. Donc, le BPA, il est interdit au moins depuis 2015 en France, mais c'est plutôt 2011 ou 2012. Les PCB, on n'en trouve plus depuis 1987. Bon, ils figurent pas là-dessus. Quand je trace en vert, c'est que c'est des polluants persistants. Donc, pour conclure, les perturbateurs endocriniens, c'est des nouveaux facteurs. Je ne conclue pas tout à fait mon truc. C'est des nouveaux facteurs de risque, les perturbateurs endocriniens, comme on pourrait les comparer finalement au tabac, dont on ne connaissait pas le rôle au départ, et puis on voit bien que dans le temps, ça s'accumule. Il y a plus de susceptibilité inter-individuelle à l'exposition. Les effets décrits de manière individuelle sont en réalité interconnectés. On voit bien qu'on n'est pas unique. Il y a un effet différé. Et tous ces éléments renforcent l'hypothèse que la législation, puisqu'on a peu de preuves sur leurs effets, elle va être compliquée, que le système de santé et de prévention, il va être difficile puisqu'on ne sait pas très bien quoi cibler de façon spécifique, mais que malgré tout, ça vaut le coup d'essayer d'unir nos efforts pour prévenir cette exposition. Donc comment gérer les perturbateurs endocriniens au quotidien ? Donc, vous avez parlé de la périnatalité, donc j'en parle aussi puisque c'est quand même là-dessus qu'on va surtout agir. Donc la cohorte ELF, je vous en reparle, mais rapidement, c'est celle dont je vous ai parlé là tout à l'heure, et ça correspond à 18 300 couples mère-enfant, hein, ce dont j'ai parlé, où on fait une biosurveillance sur les urines, les cheveux, le sang, le cordon, etc. On a quand même mis en évidence que si on mesurait les plombémies, elles vont diminuer dans le temps grâce à l'interdiction de l'essence plombée.
Si on regarde les taux de BPA, ils vont diminuer dans le temps également dans tous les pays en Europe, grâce à la substitution progressive du BPA avec les autres, mais on n'est pas sûr que les autres bisphénols soient si anodins que ça. On est bien d'accord. Pour ce qui est du mercure, par contre, ça peut être stable, parce que là aussi, on consomme quand même beaucoup de poissons, et ce n'est pas quelque chose qui diminue suffisamment, et puis c'est très persistant. Enfin, tous les produits dioxin-like ou PCB, là aussi, ils vont diminuer, mais il semble qu'on a des diminutions moins importantes qu'aux États-Unis. Ce qui ressort aussi de cette étude, c'est que les sources d'exposition de ces polluants, on les connaît, hein, alimentaires, consommation de tabac, utilisation de produits d'hygiène et cosmétiques, utilisation domestique et pesticides. Ça, c'est très important puisque ça va permettre, après, ces conclusions d'études vont nous permettre, après, justement, d'agir et de faire de la prévention. Donc, ces études, elles sont vraiment importantes et surtout qu'elles sont faites en France. Donc, je pense qu'on est quand même assez en avance par rapport à ça. Donc, parmi les stratégies, j'ai retenu FIS, je pense que vous en avez peut-être parlé aussi, qui est une initiative en Nord-Pas-de-Calais pour former des spécialistes de la périnatalité. Et surtout, l'intérêt, c'est que ça a été évalué entre 2015 et 2017. Donc, leur action a été évaluée. Et notamment, en 2018, ils ont formé 600 prestataires de santé pour former ces actions et éduquer la population. Donc, ils ont fait et édité des petits bouquins où, où tout est écrit avec des petits logos très bien faits, c'est très ludique. Donc là, je vous en ai présenté quelques-uns. Bah, dans mon environnement, les produits ménagers, bah, qu'est-ce que j'utilise ? Donc il n'y a pas trop de. Les écrits, il n'y en a pas beaucoup. Si on ne sait pas lire, on peut quand même comprendre avec les petits pictogrammes. C'est assez ludique, c'est très pratique. Ça correspond aux produits de ménage, à l'hygiène et à la beauté. Comment laver son linge, avec quel type de lessive, et puis vous voyez, il y a les petits logos qui apparaissent. Comment accueillir le bébé, pas fumer, pas faire de la peinture, comment changer son enfant. Donc c'est des choses très simples et qu'on peut trouver sur internet très rapidement. Donc pour la cuisine, qu'est-ce qu'il faut utiliser, comment cuire les aliments, pas utiliser le plastique, comment nettoyer ses aliments, les éplucher, etc. Donc des choses extrêmement pratiques. Ça peut avoir l'air banal, mais on sait tous qu'il y a des gens qui en fait ne cuisinent pas et qui ne font que acheter et mettre dans le four à micro-ondes et éventuellement avec le plastique. Donc c'est sûr que les perturbateurs endocriniens vus par les endocrinologues pédiatres qui ont fait ce petit leaflet là, qui est vraiment très bien fait, très simple aussi, avec des petits mots simples de conseils pour surveiller leur enfant, leur évolution. Et peut-être aussi voir s'il y a des troubles au niveau du développement. Les 1000 premiers jours de vie, là aussi, je pense que vous en avez parlé. Donc, ça a été établi par le ministère de la Santé. Il y a une application, il y a un QR code. C'est pareil, extrêmement ludique et facile d'utilisation. En ce qui concerne l'alimentation, peut-être que vous avez beaucoup débattu aussi. Donc, ce qui est important, c'est on sait que les POP sont présents dans les poissons. Et donc, il va falloir avoir un discours assez clair sur les femmes allaitantes et les femmes enceintes, sur la consommation, et les femmes enceintes et les enfants, hein, jusqu'à 3 ans, il ne faut pas les oublier, hein, sur la consommation de tout ce qui est poissons prédateurs, qui sont extrêmement riches en dioxines et en métaux lourds. Donc, en gros, il ne faut pas qu'elles mangent ce type d'aliments. Donc, il y a des pictogrammes aussi sur les femmes enceintes. Alors, hygiène de la femme enceinte, mon hygiène, ma beauté à la maison, etc. Donc, ça, c'est des petites choses très pratiques. Mais pareil, c'est vraiment des petites choses simples, mais bien dites, sans culpabilité. Et il faut utiliser ces outils. Il ne faut pas oublier la femme enceinte au travail. Et ça, je pense que parfois, on n'est pas forcément, on n'y pense pas forcément. Mais en tout cas, en tant que médecin, essayez tout de suite de repérer dans quel milieu elle travaille pour vraiment la prévenir, voire lui changer son poste de travail. Parler des régimes amincissants pendant ou précédant les grossesses. Vous savez que donc ces POP vont se stocker dans le tissu adipeux. Et lorsqu'on maigrit, et surtout, on s'en est aperçu avec les sleeves, si vous mesurez les perturbateurs endocriniens après une sleeve,
ou chez une femme qui a perdu 30 kilos, ben, ils sortent du tissu adipeux et ça va énormément imprégner et pendant longtemps, puisqu'on va mettre longtemps pour les éliminer. Et donc, si on tombe enceinte à ce moment-là, si on est enceinte et si on a une grossesse, c'est clair que l'enfant va être imprégné. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça, ne pas avoir de grossesse juste après une sleeve. Et puis, je pense que ce n'est pas un an, mais à mon avis, ce serait plus raisonnable d'attendre un petit peu plus. Donc, les poissons, là, j'en parle encore. Donc, mon alimentation, je ne sais pas trop ce que vous avez dit. Donc, la cohorte Nutri-Santé, très importante, qui est faite par les reines. Donc, c'est l'INSERM et c'est le CNRS à Paris. Donc, c'est une e-cohorte qui comprend déjà 165 000 internautes où les gens vont noter ce qu'ils mangent, le sport qu'ils font, et régulièrement, ils vont implémenter pour pouvoir après faire des études et voir dans l'évolution de leur vie qu'est-ce qu'ils vont développer comme maladie. L'étude BioNutriNet, je ne sais pas si vous en avez parlé, donc c'est intéressant parce qu'elle regarde si l'alimentation bio va réduire le risque de cancer. Ben c'est le cas puisqu'elle réduit le cancer dans 25% des cas sur une étude menée sur 7 années chez ses patients. L'étude Eden, qui est une cohorte généraliste, qui est menée également en France, mais sur les enfants et sur les expositions des enfants, et qui va avoir à peu près les mêmes répercussions que l'étude Nutri-Santé. Donc ça, simplement pour vous dire que le programme national perturbateur endocrinien est associé au PNNS, donc santé, nutrition santé, et au PNA, programme national pour l'alimentation, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Manger bio, donc les pesticides dans les fruits et légumes. Cette étude montre quoi ? Alors, les gros chiffres, c'est le pourcentage d'échantillons contenant des résidus de pesticides quantifiés sur 5 ans. Donc, vous voyez un peu les chiffres, c'est les chiffres en haut. Et en bas dans le carré, c'est le pourcentage d'échantillons contenant des résidus de pesticides supérieurs à la limite maximale sur 5 ans. Donc, en gros, quand vous mangez de l'herbe fraîche, c'est le basilic. voilà, les petites, ce qu'on pense agrémenter nos petits plats, eh ben, je pense que voilà, ça vaccine quand on l'a vu. Et les cerises, c'est pas mal non plus. Voilà, je vais vous montrer une autre façon de voir, parce que c'est pas toujours très digeste, et mon tableau est pas très digeste non plus, parce que je pouvais pas l'agrandir. Ça, si vous arrivez à voir... C'est quoi dans mon assiette hein, que j'ai trouvé. Donc les résidus de pesticides dans les aliments, en gros 96% sont conformes et 51% sont exempts de pesticides, ce qui veut dire que 50% de l'alimentation comporte des pesticides. Et là, sous une autre forme, c'est tous les produits qui ont un dépassement de limite maximale de résidus, et vous voyez que ça correspond à peu près à ce qu'on a vu avec le basilic qui est à 37%. Donc, clairement, il vaut mieux planter son basilic. Alors, l'ADEME, donc on a vu, juste sur cette diapo, moi, ce que je conseille, c'est de retenir trois logos qui sont institutionnels et qui sont a priori contrôlés, mais je ne suis pas une spécialiste du logo, c'est ce que j'ai retenu. Les logos alimentaires, alimentation bio française et européenne, et... logo de label environnement sur l'entretien et les textiles qui est le logo européen. Donc ça, c'est les logos qui sont validés sur le plan d'alimentation, et ça, c'est plutôt les logos européens selon les normes ISO 14 de l'entretien, pour les entretiens et les textiles. Donc là, c'est ce que j'ai trouvé sur, je ne sais pas si vous en avez parlé, des instances régionales d'éducation et de promotion de la santé, c'est-à-dire IREPS. Alors, je vous invite tous à aller voir ces documents qui sont extrêmement bien faits. Et ce que je disais à Yves tout à l'heure, c'est que les ARS, comme d'habitude, malheureusement, elles ne savent pas travailler ensemble. Chacun fait son petit truc dans son coin, et toutes les ARS ont fait des documents sur le sujet. Et ceux qui ont fait des documents, ils sont extrêmement bien écrits, extrêmement bien faits. Et vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous renseigner et avec beaucoup de sérieux et de bibliographie. Donc là, vous voyez, donc c'est des mises en situation. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils mettent les labels, ce qu'ils conseillent, j'évite. Et puis, si j'y arrive pas, comment je fais ? Donc, c'est vraiment pas culpabilisant. Et je pense que c'est une façon d'aborder les gens qui est pas mal. Donc ça,
Les gens, ils peuvent, c'est des petits fascicules, hein, ils peuvent y avoir accès très simplement. Et encore une fois, c'est assez imagé pour la compréhension. Donc là aussi, ça, c'est tout ce qui est cuisine. Donc tout ce qui est environnement, c'est des vrais casse-têtes, hein, vous savez. Donc celui-là, je trouve que ce logo, vous l'avez montré ici, je crois, tout à l'heure, il est plutôt bien fait quand je vais faire mes courses, à quoi je pense, etc. Mais si on le regarde trop, on va rien mettre dedans, en fait. Hein. Là aussi, c'est un petit peu pareil. On ne sait plus trop faire le choix, hein. C'est clair que c'est compliqué. Ça, c'est pour l'utilisation du plastique. Donc plus c'est transparent et plus c'est mauvais, mais pas que. Voilà, donc là, c'est des mises en situation qui sont pas mal et qui sont, pareil, assez didactiques. Ça, c'est une autre mise en situation, et ça, c'est la mutualité qui a fait ce petit livret, qui est extrêmement bien fait aussi. Donc voilà, je me brosse les dents, il y a du triclosan, hop, je l'enlève. Bon, c'est ludique, mais c'est compréhensif. Et ça, c'est Que choisir, qui fait pas mal aussi, qui est très précis dans ses informations. Donc je pense que vous pouvez aller là aussi. C'est ludique, mais on voit que le sol, le tapis de souris, toutes ces petites choses, bah, c'est pas terrible. Voilà, donc là, c'est l'entretien, enfin l'hygiène. Alors la réglementation, je vous ai montré des méandres, parce qu'en fait, c'est tellement compliqué. Alors là, je n'ai pas parlé de la littérature, mais la littérature est tellement compliquée et les preuves sont tellement difficiles que ben, la réglementation, forcément, on l'a déjà dit, c'est un peu compliqué. Et ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il faut appliquer le principe de précaution. Donc là, je vous mets juste en éclaircissement le rapport du Sénat en 2011 qui a mis en avant le principe de précaution et qu'il a vraiment mis en avant en France pour traiter des perturbateurs endocriniens. Et je pense que c'est important. À côté, je vous ai mis un article de sociologue qui est aussi intéressant, que je ne peux pas détailler. Dans cet article, ils vont simplement montrer l'état d'esprit aux États-Unis et l'état d'esprit en France pour voir comment on a fait pour aborder la question des perturbateurs endocriniens. Il faut savoir qu'en France, on l'a abordé de cette façon, c'est-à-dire qu'on a fait travailler ensemble les scientifiques et les industriels, et que ces recherches ont, pour une partie, été financées, comme vous savez, par les industriels. Donc c'était intéressant pour les scientifiques d'avoir des fonds, mais et de réfléchir avec les industriels. Hein, c'était pas forcément négatif au départ, mais au fur et à mesure du temps, il y a quand même eu ce qu'on appelle la manipulation de la science et finalement la fabrication du doute peut-être par les industriels. Et malheureusement, après un compagnonnage qui a été très prolifique pour les études, eh ben, il y a eu un moment où il y a eu une défiance et forcément les industriels, ils n'ont peut-être pas trouvé leur compte. Et bon, voilà, je ne suis pas là pour vous tout expliquer, mais pour donner des petites idées. J'ai trouvé ce schéma aussi sur c'est un groupe de jeunes qui ont fait un site sur Internet pour comprendre un peu toutes les relations. Je vous invite aussi à aller dessus. C'est très, très, très bien fait, très bien documenté. Vous voyez les interrelations entre les associations, les opinions, les médias, la législation française, la législation aux États-Unis, les scientifiques au milieu, les industries. Donc tout le monde va un petit peu interférer. Et c'est clair qu'après, pour avoir une information claire, c'est pas évident. Donc en conclusion, une conclusion un peu fleuve, j'entends. Les perturbateurs endocriniens, c'est un sujet de préoccupation croissant. Les maladies environnementales sont en augmentation. Depuis 1990, on a isolé entre 1000 et 3000 substances identifiées comme des perturbateurs endocriniens qui vont être classées par catégorie, hein, selon l'ANSES, comme on a vu. Ils peuvent provoquer chez l'animal et chez l'homme des troubles qu'on a vus. Des études récentes montrent une exposition généralisée des populations et des niveaux d'imprégnation élevés chez les Français, les enfants français entre 6 et 17 ans pour tous les perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il y a beaucoup de programmes et beaucoup de cohortes que je vous ai montrées qui sont en cours et qui vont être extrêmement informative sur quoi il va falloir s'alerter, sur quels produits. Et je pense que c'est bien que ces études puissent avoir lieu en France. Parallèlement, il y a des projets de prévention et de promotion de santé dont on a parlé. Il faut bien garder à l'esprit le principe de précaution pour protéger notamment les personnes qui ont une vulnérabilité plus importante. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
J'ai une question par rapport au fait. Alors, du coup, j'ai bien compris que c'était dose dépendante, voilà, et puis il y avait en plus des cumulations de doses, etc. Mais du coup, quand on a été exposé donc un certain nombre de temps, est-ce que du coup, enfin, c'est fatal et du coup, on ne peut plus rien faire vu qu'on en a un peu partout, dans tout. Est-ce qu'il y a une issue, quoi? Je disais que c'était presque comme la radioactivité, il faut attendre que ça passe, oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que, en effet, quand on est averti sur des polluants persistants, hein, tout ce qui est, c'est ceux-là qu'il faut repérer, puisque c'est ceux-là qu'on va stocker dans notre gras et qu'on va libérer et qu'on va garder pendant des temps infinis. Donc, par contre, après, la rapidité avec laquelle ils sortent de l'organisme, ça, on ne sait pas mesurer. Et justement, c'est pour ça que ces cohortes de patientes et de couples mère-enfant sont extrêmement importantes, parce que c'est des cohortes de biosurveillance et on est en train d'apprendre plein de choses. Mais déjà, le fait d'avoir vu que les femmes enceintes où il y a moins de bisphénol et il n'y a plus d'astrazine, donc l'herbicide, on voit que ça diminue dans les concentrations chez les femmes. Ça veut dire qu'en fait, bon, ce n'est pas des persistants, hein, les bisphénols. Hein. Le bisphénol, ce n'est pas un persistant, donc ce n'est pas un bon exemple, mais au moins, on voit quand même que on les consomme moins et qu'ils disparaissent petit à petit. Donc ça, je pense que c'est pour ça qu'il faut regarder de près ces études de biosurveillance. C'est elles qui vont nous répondre. J'arrête de les consommer. Oui, voilà. Donc du coup, Ouais. c'est vraiment les persistants qu'il Tout à faut fait. Et cibler. les poissons gras qui croquent les autres, c'est les pires. Hein, D'accord, ou donc les pas de saumon. carnassiers. Il faut vraiment retenir ça. Et surtout pas pendant la grossesse, surtout pas avant la grossesse, parce qu'après, on va stocker dans le gras. Hein, c'est ceux-là qu'on va stocker et qu'on libérera.